Nadia, 53 ans, a été placée sous coma artificiel. Sous curatelle et bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, Nadia, mère de deux enfants, cumule les heures de ménage pour vivre et aider ses deux garçons. Tous les riverains sont sous le choc après l'agression de Nadia. Cette femme est très appréciée dans le quartier et c'est l'incompréhension totale face à ce déferlement de violence. Dans la nuit de mardi à mercredi, Nadia était seule dans les rues de Nice vers 2h du matin. Elle a été filmée rue d'Italie alors qu'elle était poursuivie par un homme qui est parvenu à la faire chuter, l'a rouée de coups avec une violence inouïe et lui a sauté sur la tête à pieds joints. Gravement blessée, la femme a été laissée pour morte dans une mare de sang. Vers 3h du matin, des passants ont trouvé Nadia inanimée et ont immédiatement prévenu les secours. La victime a été acheminée vers l'hôpital Pasteur. Son pronostic vital est engagé, elle a été placée dans le coma artificiel. Rapidement après l'agression, les policiers de la BAC ont appréhendé le suspect à quelques rues seulement de son méfait. Il a été mis en examen mercredi soir et placé en détention provisoire dans le cas d'une information judiciaire pour tentative d'assassinat. Si dans un premier temps, l'homme de 24 ans a affirmé être angolais, l'enquête a permis de déterminer qu'il est de nationalité suédoise et qu'il est recherché depuis juillet 2022 pour s'être soustrait à des soins psychiatriques sous contrainte. La question se pose donc de savoir si l'agresseur est accessible à une sanction pénale et de savoir si son état psychologique le permet. Ce sera l'enjeu du dossier. Béchir, le fils aîné de la victime, a pu rendre visite à sa mère et explique qu'elle a du sang dans le cerveau, un hématome au crâne. Il ne sait pas si elle va mourir ou s'en remettre. Souhaitons que Nadia se réveille et que la justice ne laissera pas cet acte impuni.